Bon, vous êtes les bienvenus à cette première session de la conférence. C'est une des parties les plus intéressantes de la semaine. Nous allons parler de ce qui est nouveau dans DHIS2. Nous allons nous focaliser sur les deux dernières versions. Vous voyez les nouvelles choses qui sont là. Il y a plusieurs choses à vous présenter cet après-midi. Et il y a plusieurs informations en plénière. Nous voyons des informations sur ce qui a été amélioré, sur la stabilité et comment améliorer la plateforme. Donc, pour cette session, nous allons avoir quatre sessions en quelque sorte sur l'analyse dont va parler Scott Rospatrick, qui est en charge du produit côté analyse. Pour le tracker, il y a Marcus Becken qui est à la tête de l'équipe. Et pour l'application Android, il y a Marta Villa et José García Monos de l'Espagne qui vont présenter sur cette partie. Et Austin McGee qui est en charge de l'architecture aussi de DHIS2. Et aussi Lars Hovland qui va aussi nous parler. Après, il y aura des questions qui vont suivre plus tard. Donc, si vous en avez, vous pouvez les poser. Donc, ceci étant dit, je passe la parole à Scott pour qu'il commence à parler de l'aspect analyse. Merci. Je vais partager mon écran. Permettez-moi de vous dire si je peux. Dites-moi si vous pouvez voir. Voilà, je crois que c'est bon. Vous voyez justement les diapos, n'est-ce pas? OK, c'est fantastique. Il y a plusieurs amis ici. Ne vous inquiétez pas, je vais rentrer en arrière pour commencer. Il y a plusieurs fonctionnalités analytiques que nous avons développées pour vous et disponibles dans la version 2.35 et 2.36. Et avant de commencer, j'aimerais vous dire de ne pas quitter ici, sans poser vos questions et sans que ce ne soit répondu. Vous pouvez aller dans la communauté pratique et me retrouver pour qu'on en discute. Je vais commencer rapidement. Donc, mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, veuillez les poser. Je commence avec le tableau de bord. Il y a plusieurs choses qu'il y a dans le tableau de bord. La version 2.35 et 2.36, la première chose, c'est l'impression du tableau de bord. Et c'est maintenant plus facile. Et nous avons essayé d'écouter vos propositions. Et il y a quatre types de présentations qui vous permettent de voir, ces quatre modes vous permettent de voir et de partager les analyses sur les écrans. Et ça vous permet d'anticiper aussi et de partager les informations même sur téléphone. Donc, nous allons repartir à DHIS2. Pour d'autres informations, partez sur l'option More qui est en haut, après sur Print pour imprimer. Vous pouvez voir deux manières d'impression. Il y a le premier qui vous permet d'imprimer juste un élément du tableau de bord et l'autre qui vous permet d'imprimer aussi autrement. Donc, le premier, par exemple, ça vous permet d'imprimer plusieurs éléments en même temps. Ici, c'est une feuille A4, donc tout ne peut pas être là-dessus. Donc, ça dépend de votre papier pour que vous puissiez avoir tous les éléments du tableau de bord sur le même papier. Donc, vous pouvez toujours regarder votre l'aperçu pour voir si cela vous sied, le mode d'impression. Ici, je clique sur Item, je vois comment se regarder, soit comme PDF ou envoyé par mail ou d'autres possibilités. Donc, voici l'aperçu avant impression. Et je reviens encore à l'option d'impression. Je repars sur la partie impression d'un élément par page. Ça vous permet d'imprimer chaque élément du tableau de bord de manière individuelle. Et vous pouvez voir cela s'afficher dès maintenant. Et c'est un peu plus facile de partager les données si vous êtes dans une réunion et puis vous passez les feuilles pour que chacun puisse regarder les différents éléments qu'il y a sur le tableau de bord. Maintenant, nous
Il y a une requête concernant les filtres que nous avons sur le site. Et toutes les options que vous avez, c'est sur tous les tableaux de bord. Ça ne peut pas s'appliquer à tous, il est vrai. Cependant, nous disons que ce n'est pas tous les tableaux de bord qui ont besoin de tous ces filtres à la fois. Cependant, pour vous faciliter la tâche, vous cliquez sur la partie Edit qui signifie éditer ou modifier. Et donc, vous voyez un bouton de paramétrage de filtre. Nous voyons deux paramètres. Il y a un qui permet d'autoriser toutes les dimensions et l'autre qui vous dit de sélectionner les filtres différents. Donc, tous les filtres sont à gauche et ce qu'on sélectionne est à droite. Donc, ici, je clique par exemple sur unité d'organisation que j'enlève et donc je confirme, je sauvegarde. Et maintenant, quand je pars sur le bouton filtre, je vois juste période. Donc, vous pouvez activer ou désactiver les filtres selon votre convenance. La prochaine chose que nous devons voir, c'est que nous voyons l'option des trois boutons d'extension et nous voyons qu'il y a les options standards qu'on avait depuis dans les anciennes versions. Il y a une nouvelle qui est maintenant le bouton plein écran, l'aperçu plein écran. Si je le fais, vous voyez bien que l'élément a pris toute la page, tout l'écran. Donc, ça permet à tout le monde de pouvoir partager l'écran, projeter un tableau de bord directement dans une projection PowerPoint ou de procéder comme cela vous semble le mieux. Donc, je reviens en arrière en cliquant sur le bouton en haut à droite et la prochaine chose à faire que nous allons voir, c'est l'application qui est facile d'accès sur les téléphones. Donc, voici l'aperçu qu'on a sur les téléphones. Il y a plusieurs fonctionnalités qu'on y retrouve aussi. Ce que je vais vous montrer premièrement, c'est ce que nous avons donné dans la version 2.36. Et vous êtes en train de voir mon téléphone directement. Nous sommes en train de voir le même tableau de bord sur mon téléphone que sur mon ordinateur. Quand je descends, je vois que il y a toujours chaque information en haut de chaque élément. Si je pars très haut, je peux toujours aller dans tous les aspects de mon tableau de bord. Je pars sur les cas de paludisme et je vois toujours mon tableau de bord qui s'ouvre. Je pars sur aperçu plein écran. Je peux toujours voir et interagir, zoomer avec la carte et avoir accès à toutes les fonctionnalités que j'ai dans mon tableau de bord. Et je peux aller dans des endroits très reculés en zoomant très grand. Et avant, c'était juste disponible sur l'ordinateur, mais maintenant, c'est possible sur le téléphone aussi. Maintenant, vous voyez, j'ai fait la rotation d'écran et vous voyez bien que il y a toujours les éléments du tableau de bord, tout comme on l'a sur l'ordinateur. Et j'ai aussi des nouvelles fonctionnalités aussi sur le téléphone, comme la version éditée, comme la partie éditée, qui me permet d'ajouter et de retirer les filtres aussi. Et j'ai les trois boutons d'extension qui se situent aussi en haut. Je crois que nous avons perdu Scott de manière temporaire. Je crois que le prochain orateur peut prendre la parole. OK, permettez-moi d'avancer avec la partie tracker. Je vais partager mon écran. Dans peu de temps. Maintenant, on peut voir ma présentation, je crois. Sur le tracker, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Je vais me focaliser sur trois nouveautés et la première, c'est l'amélioration des performances.
L'année passée, plusieurs ressources partaient dans la partie performance pour pouvoir mieux gérer les trackers à très grande échelle. Le deuxième prochain, la deuxième présentation serait le travail sur la nouvelle application de capture, comment capturer, faire la capture des trackers que nous appelons la nouvelle application de capture. Il y a eu une mise à jour là-dessus. Et le dernier point sur lequel je vais parler, c'est les services implémentés à nouveau pour les trackers. Ça a aussi à voir avec l'amélioration des performances. Quand on parle de services de réimplantation, voilà, c'est à plus grande échelle que on le connaissait auparavant. Je pars directement au premier sujet, qui est l'amélioration des performances. Nous voyons que il y a une focalisation sur les traceurs clés de tous les parties prenantes depuis des années, et nous avons amélioré les performances et nous nous focalisons sur certains niveaux depuis l'année passée. Il y a le second aspect, c'est le fait que les programmes de vaccination, de couverture vaccinale, surtout en matière de COVID, ont pris une très grande ampleur dans le monde entier. Et il y a eu des webinaires sur comment est-ce que nous avons rendu disponible nous avons rendu disponible la couverture vaccinale COVID, et les pays dans lesquels nous avons pu mener des opérations de tracker. Aussi, nous avons travaillé sur le test des performances sur la couverture vaccinale à très grande échelle, qui a été utilisée depuis l'année dernière. Et c'est pour améliorer aussi les performances, comme je disais depuis le départ. Nous avons aussi travaillé directement avec les institutions de certains pays pour enlever les goulots d'étranglement. Et aussi, ces améliorations ont été effectuées dans trois versions de manière simultanée, la version 2.34, 2.35 et 2.36. Et même si maintenant il y a d'autres améliorations dans les versions 35 et 2.35 et 2.36, nous avons essayé de mettre ensemble toutes ces trois versions pour les améliorer de manière simultanée. Donc il y a 2.34.4, 2.35.2 et 2.36.0. Et vous devez être normalement sur une de ces trois versions pour bénéficier de ces nouvelles améliorations. Le moins performant, c'est la version 2.34 et ensuite 2.35 et 2.36, évidemment. Donc, c'est les nouveaux chiffres. Je vous les mets à côté. En bleu, nous voyons que c'est les anciennes versions, comme par exemple 2.34.3 et puis 2.34.4 pour l'amélioration. Il n'y a pas un très grand écart en matière d'amélioration de performance, parce qu'on quitte aussi du 2.35 à 2.35.6, et puis nous voyons qu'en haut il n'y a pas de 2.36, mais en bas il y a 2.36.0, où il y a les mêmes améliorations que je vais vous montrer tout au long de cette présentation. Ce premier diapo nous permet de voir les améliorations sur une utilisation simultanée à moindre échelle qui prend en compte 20 000 utilisateurs et 20 000 unités d'organisation. En bleu, nous voyons la version 2.34.3 qui ne performe pas, qui n'a pas une très grande performance. Et en rouge, nous avons 2.34.4 qui a une meilleure amélioration. Nous voyons que la barre bleue utilise beaucoup de données directement qu'on voit dans la version Android. Et maintenant, nous avons optimisé tout cela et nous voyons que la barre rouge est beaucoup plus moindre. La même chose,
En ce qui concerne les autres détails que nous voyons, nous quittons des secondes de chargement à des millisecondes. Ici, il y a les tests de performance en matière comparative. Nous voyons que plusieurs utilisateurs qui sont connectés directement envoient 100 utilisateurs, par exemple, et donc ça prend 10 secondes. Nous voyons d'abord la ligne bleue qui est l'ancienne version et puis la ligne rouge qui est la nouvelle version. Donc on voit que plus les gens se connectent, plus l'utilisation est détériorée. Donc quand il y a 500 personnes qui l'utilisent, ça chute jusqu'à ne plus exister. Et dans 2.34, la version 2.34.4, nous voyons que plus il y a des personnes, plus aussi la performance s'améliore. Et quand on est aux environs de 300 utilisateurs, nous voyons que le serveur est à son pic et ça commence à détériorer. Pourtant, on peut toujours bien en faire usage, même quand il y a 500 personnes qui l'utilisent de manière simultanée. Je vais vous faire une petite démo comparative. Je le fais avec les deux versions de 2.34 à gauche. Nous voyons la version la plus rapide et à droite l'ancienne version 2.34.3. Et il faut garder à l'esprit que ces améliorations sont présentes aussi dans la version 2.35 et 2.36, comme je l'avais dit auparavant. Et nous voyons qu'il y a toujours 3 millions de personnes qui sont traquées et 6 millions d'enrôlements et 20 000 unités d'organisation au total. Et nous voyons, je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble sur mon serveur en matière de performance. J'ai lancé les deux trackers de manière simultanée côte à côte pour que vous puissiez en quelque sorte faire un comparatif de la performance. Je vais essayer d'actualiser la page des deux côtés. Et je viens de lancer l'actualisation dans la version à gauche qui prend à peine 4 secondes avant qu'on affiche la liste. Voilà, il y a 600 000 personnes traquées et c'est juste un exemple, juste pour montrer qu'on peut charger facilement une nouvelle liste. Maintenant, à droite, l'ancienne version 2.34.3 qui va prendre 1 minute et 30 secondes avant de charger. Je clique sur la recherche. Je pars dans la nouvelle version. Je cherche des mots. Je pars aussi dans l'autre version. Je lance dans la nouvelle version mise à jour et je pars clique aussi sur l'ancienne version pour voir combien de temps est-ce que ça va prendre avant d'afficher. Nous voyons que la nouvelle version améliorée, la recherche a pris 2-3 secondes et de l'autre côté, ça a pris 6 à 7 secondes dans la version ancienne. Une dernière chose à vous montrer de la performance dans l'environnement, nous partons dans la date d'admission et puis il y a le jour aujourd'hui qui est affiché en jaune avant qu'on ne fasse la requête. On part maintenant dans l'ancienne version. On voit que c'est jaune pendant longtemps avant de devenir vert. Or, quand on part dans la version améliorée, dès qu'on clique, ça devient vert directement. Ça montre que c'est plus rapide dans la nouvelle version. Donc, la requête est rapidement traitée par le serveur. Et ça ne prend pas beaucoup de temps et beaucoup de données. Je vais continuer mon partage d'écran. Maintenant, les données sur le terrain. Des données venant d'une grande campagne de vaccination au Bangladesh qui a été menée sur plus de 400 000 sites avec 35 millions de va vaccinations. Et avec cette application, on voit que
Ça aide à aller un peu plus vite. Et dans le programme de vaccination de Sri Lanka, il y a 6 000 entrées par jour. Et c'est beaucoup d'utilisateurs qui travaillent de manière simultanée. Et il y a 16 millions de personnes qui ont été tracées. Maintenant, on part au Rwanda, où il y a une surveillance des cas de COVID et 1,5 million de personnes traquées. Et une vaccination qui va aussi assez vite. Et ils ont envie de vacciner 3 millions de personnes d'ici la fin de 2021 et 7 millions d'ici la fin de juillet 2022. Alors, le prochain sujet, c'est l'application de capture. Je vais juste vous montrer les améliorations que nous avons là-bas. Dans l'application de capture, nous avons mis en place des fonctionnalités pour tracer les gens. Et c'est ce que nous faisons dans toutes les versions. Donc maintenant, on va parler de la nouvelle application de capture sur l'amélioration qui a été rendue disponible dans la version 2.36. J'espère que vous pouvez bien voir l'information que je partage avec vous en partageant mon écran. Donc, voici mon application de capture, en anglais Capture App, qui est la prochaine étape de ma démonstration. Nous voyons comment rechercher et faire des recherches et puis accéder à des filtres. On prend d'abord le premier point dans l'application de capture. Et maintenant, on part dans les différents programmes. Maintenant, je cherche un événement du programme. Une nouvelle fonctionnalité, c'est que je peux choisir un programme de traqueur. J'ai aussi le même filtre, une liste qui est détaillée. Et je peux avoir d'autres filtres qui peuvent s'appliquer aussi sur les données dans mon tableau de bord. Aussi, je peux aller à Nyandama, comme vous voyez en haut, et en bas, je peux cliquer sur cette partie, par exemple, pour voir les données. Maintenant, il y a cette page sur laquelle nous travaillons, qui sera lâchée dans la version 2.37. Nous partons dans l'application de capture et nous ouvrons les données que nous avons. Nous pouvons mettre à jour les données qui manquent. Et maintenant, je vais reculer et aller sur la liste qu'il y avait au départ. J'espère que vous pouvez bien voir comment faire dans cette application de capture, même si certains sont déjà habitués à l'ancienne version. Donc, je clique ici, je vois les nouvelles investigations en matière de paludisme et je peux aussi ajouter des entrées. Ici, je vais ajouter une nouvelle personne. Donc, il y a les données que j'ajoute, si je veux être plus précis aussi, je clique sur Focus et puis je peux faire des modifications que j'enregistre et vous voyez que je reviens à l'ancienne page et là où on peut entrer les événements pour la version 2.36. Vous voyez? Il y a de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux aperçus dans la nouvelle mise à jour. Je retourne quand je travaille sur les cas, par exemple. J'ajoute, par exemple, une relation. Je copie l'identifiant et puis j'essaie de relier ce cas à un autre. Donc, je sauvegarde et je vois mon événement ici et je peux aller d'un événement à l'autre. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est le bouton de recherche.
où on peut aller rechercher très facilement des domaines spécifiques de notre programme choisi. On clique sur Recherche, par exemple, qui nous permet de chercher les entités directement. Quand je retourne à l'investigation, je clique sur Recherche aussi. Je cherche toujours quelque chose. Je cherche Test, par exemple. Et si vous ne trouvez rien dans le programme, ça vous le signale directement. Mais ici, comme il y a des réponses, les voilà qui s'affichent directement en bas. Je retrouve le résultat de ma recherche avec le mot-clé test. Je vais changer de présentation et revenir encore là où on était au départ. J'espère que ces améliorations vous aideront à utiliser l'application de capture pour toute cette opération, pour les événements et pour les programmes de tracker. Il y a une amélioration dans l'utilisation de cette application. Il y a premièrement la possibilité de choisir les dates de manière plus facile et plus rapidement. Comme par exemple la date de naissance, on peut aller directement à l'année appropriée. Donc maintenant, il y a les mises à jour sur la sélection des contextes et de la charge de travail, comme je viens de le démontrer. Voilà alors ce que nous avons à voir maintenant, la nouvelle fonctionnalité, et puis comme par exemple la recherche qui est disponible. Ce qui n'est pas très visible, c'est que le cache de métadonnées est maintenant optimisé et ça permet de télécharger les données aussi longtemps que vous cherchez la version que vous désirez, et puis ça ne me demande plus le cleaner. Donc, vous pouvez choisir votre version et il n'y a plus besoin d'utiliser le cleaner de cache. D'autres améliorations de cette même application de capture, c'est les notes qui ont maintenant le nom complet de la personne plus que le nom d'utilisateur. Avant, ça mettait le nom de la personne qui mettait l'information, mais maintenant, ça met le nom complet du patient. Aussi, nous avons amélioré le traceur pour entrer via les claviers et toutes les informations dont on a besoin. Pour les règles du programme, premièrement, il y a la validation de l'expression. Et je vais vous montrer, je vais faire une démonstration très rapidement. Donc, nous entrons dans la partie Inter-Program Rule et nous avons maintenant ce qui s'affiche en vert qui montre la description de l'expression. Et si vous changez quoi que ce soit ici, peut-être le nom, on ajoute peut-être S, vous voyez que ce n'est plus valide parce que cette variable, le LSMP, n'existe pas. Donc, de la même manière, quand j'efface la fin, on voit que ce n'est pas valide. Si on essaie d'ajouter une autre information qui n'est pas en droite ligne avec l'application, cela est rejeté directement et ça évite des erreurs pour qu'on puisse facilement trouver ce que l'on recherche. Il y a aussi une nouvelle variable pour les dates complètes, les dates de finition, pardonnez-moi, pour que les gens puissent voir les dates où c'est terminé et vous leur envoyer des messages peut-être après pour leur dire la date exacte à laquelle
Votre suivi est terminé. Donc, il y a aussi un salon d'espère pour les règles de programme, program rule. Et j'espère qu'on pourra se retrouver là-bas. Et nous allons poser, répondre aussi aux questions là-bas. Le dernier sujet dont je veux parler, c'est la réimplémentation des services pour le tracker. Il y a plusieurs sorties qui ont la réimplémentation complète et elle est différente de la performance ou l'amélioration de performance dont on a déjà parlé. Ici, c'est que nous avons réimplémenté le service depuis la base pour une meilleure architecture, pour qu'on puisse mieux le maintenir et l'optimiser. C'est le moyen d'amener le tracker à un meilleur niveau. Et aussi, nous avons implémenté de nouvelles fonctionnalités, des services aussi qui prennent en compte les règles de programme pour la validation et les calculs. Et il y a plusieurs nouvelles options et possibilités avec votre tracker qu'on ne pouvait pas mettre dans l'ancienne version. Pour terminer, dans la version 2.36, nous l'avons mis à disposition maintenant pour permettre l'intégration des applications et des scripts. Et maintenant, vous pouvez tester l'application, vous qui êtes les utilisateurs finaux. Donc, on n'est pas en train de dire que ça enlève l'ancienne version, mais ce serait bien, comme on dit, quand il y a une certaine indépendance entre les versions. La nouvelle version est comme l'ancienne quand même, parce que voici toujours les derniers mots clés pour les endpoints pour que ce soit optimisé à l'avenir. Je crois que c'est ma dernière présentation. Je vais laisser le prochain orateur qui va parler de la partie Android. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Vous pouvez voir mon écran. Et sur José Garcia, et je vais présenter la version Android. Je vais parler de ce qui est nouveau dans la version Android. Premièrement, je vais parler de l'adoption de la version Android. Depuis 2019, avril 2019 à juin 2020, le nombre de personnes qui ont utilisé l'application une fois au moins durant les 30 derniers jours. En février à avril, il y a environ 300% parce que les gens ont modifié, ont adopté l'application pour pouvoir tracer les cas de COVID. Donc, en novembre 2020, on voit que au Nigeria, avec la campagne, au Bangladesh, ça a quasiment doublé. Donc, ici aussi, il y a une augmentation d'utilisateurs d'Android et il y a plusieurs ici.
qui ont commencé à utiliser l'application pour tracer la vaccination de la COVID. Et il y a une utilisation de plus de 70%. Les pays représentés qui utilisent l'application Android, nous voyons que c'est utilisé quasiment dans tous les pays de l'Afrique et plusieurs parties de l'Asie et aussi un peu en Amérique latine. Au Nigeria, il y a beaucoup d'utilisateurs, plus de 21 000 dans les derniers 30 derniers jours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les 30 dernières minutes? Nous voyons qu'il y a plusieurs utilisateurs actifs. 74,2% utilisent des téléphones et 25,8% utilisent des tablettes. Et ils sont, on les retrouve plus en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Maintenant, je vais parler des fonctionnalités. C'est compatible avec toutes les versions de DHIS2 et nous voyons que c'est un peu configurer cela via Matomo qui est open source pour pouvoir avoir une meilleure utilisation de l'application. Maintenant, chaque pays peut avoir sa version de Matomo pour pouvoir envoyer les informations à leurs différents partenaires. Je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe, en tout cas dans les prochaines 15 prochaines minutes. Nous sommes dans cette version. On n'utilise pas forcément les noms et d'utilisateurs, les mots de passe. On peut utiliser les comptes Google, par exemple, ou les mails. Donc, ce sera disponible lorsqu'il y aura la version 2.36.2. Voici les menus de navigation de l'application. Maintenant, on peut les voir. Je vais vous montrer comment est-ce que cela se présente. Vous pouvez voir mon téléphone Android. Je clique par exemple sur Chat Program. Il y a la liste qui est disponible et je peux naviguer sur les cartes en cliquant sur la partie droite. Nous allons montrer dans la carte les pays qui sont disponibles sur GPS. Maintenant, je clique ici. Je vois toutes les informations et tous les événements. Et je peux voir aussi les révélations, les relations en cliquant sur le bouton en bas. Et ainsi, à l'extrême droite, je vois les notes. Les autres éléments que la communauté a demandé, c'est l'analyse hors ligne. C'est la manière dont on peut avoir accès à analyser les éléments sur les tableaux, etc. Ce n'est pas quand on a ces données, ça ne se synchronise pas directement. C'est une tâche herculéenne et il faut faire un très bon suivi. Alors, il y a d'abord la partie analyse que nous allons voir. Nous allons voir comment est-ce que nous allons voir les tableaux ou les graphiques avec les lignes ou les graphiques sur la croissance des enfants et les tableaux. Donc, essayons de voir à quoi est-ce que cela ressemble dans mon application Android. Je suis toujours au même endroit comme auparavant. Je reviens ici, la première page. Je clique sur ce bouton qui est en bas, le bouton avec des graphiques. Nous voyons des informations sur le feedback. Il y a aussi les tableaux et les indicateurs qui est en bas. Maintenant, comme nous pouvons le voir, il y a aussi un tableau, un graphique de ligne qui montre la croissance, par exemple, de l'enfant concernant le poids de ce dernier.
Donc, on peut voir aussi comment est-ce que la taille de l'enfant aussi évolue selon le temps. On peut changer aussi la visualisation. Je veux dire que je veux voir ça sous type de barre et voir sous forme de tableau, tout simplement, et voir comme valeur. Donc, ici, ça montre que la dernière valeur. Quand on applique ce genre de filtre, donc on continue. Là, nous avons aussi les cartes. Jusqu'ici, nous n'étions en mesure que de rendre disponibles les coordonnées. Dans cette version, on peut afficher les attributs et les éléments de données. On peut aussi afficher la localisation de l'utilisateur. Quand on peut lui permettre aussi de pouvoir sélectionner une zone en particulier. Donc, quand on part sur Android pour voir comment est-ce que ça se passe, je clique par exemple sur l'enquête sur la malaria. Ici, je clique sur l'aperçu de la carte et je choisis ici, la date d'enrôlement, je clique le mois ici, par exemple. Vous voyez le point bleu, ça montre là où je suis présentement. Et ici, nous voyons les cas de paludisme dans ma zone. Donc, ici, c'est peut-être là où vit l'utilisateur. Il y a aussi les attributs. Nous, on voyons aussi là où travaille la personne. Donc, comment le faire? Je clique ici et puis je choisis cet attribut-là, Work Location. Et ici, quand je sélectionne ce point-là, ça veut dire que voilà là où travaille la personne dont il est question. Et ici, ça montre là où se trouve la personne à l'instant T. Nous pouvons aussi, permettez-moi de repartir sur cette page et de cliquer sur l'aperçu de satellite. Ici, voici la ville où j'habite et je vais changer ceci. Ce n'est pas nouveau, hein, il est clair. Mais je vais juste en parler encore pour montrer les différentes relations que nous avons. Donc, voici le cas. Et cela est valide aussi pour la COVID, de même que pour le paludisme, comme nous avons montré. Donc, ça montre que je travaille avec DHIS2 et je fais des enquêtes avec. Maintenant, quand je sélectionne cette personne, ici, je peux cliquer sur le bouton de navigation et cela va montrer juste les cartes. Je peux cliquer sur Maps.me qui me permet de naviguer hors ligne. Ici, ça montre là où se trouve la maison de la personne. Donc, je peux cliquer sur ce bouton-là aussi, Route to. Et l'application me montre comment est-ce que je peux procéder pour arriver à la destination B. Donc, je peux aussi utiliser Google Maps, mais voici l'autre possibilité que je vous montre. Donc, nous continuons avec les nouvelles fonctionnalités. La liste de travail, le working list, ça, les filtres qui ont été définis auparavant. C'est important. On voit la liste d'événements.
qu'on aura aujourd'hui ou demain, ou les tâches qu'on aura à faire les mois suivants. Voyons l'exemple. Je vais ouvrir ceci, l'enregistrement des cas de paludisme. On voit tous les événements qui ont été enregistrés. Maintenant, quand je clique sur le bouton, si je vois ma liste de tâches, je peux voir les événements que j'ai assignés à tout le monde et qui sont assignés à tout le monde, et les événements qui me sont assignés aussi. Donc, je vois à la fin, à l'extrême droite, les événements qui me sont appliqués aujourd'hui. Je vérifie. Maintenant, ici, on voit les tâches à mener et les zones où ça se trouve. Donc, je clique là-dessus, je clique sur le bouton de navigation. Nous voyons d'autres choses. Les indicateurs. Voyons des exemples avec la démo. Ouvrons le programme. Je vais sélectionner un événement ici. Nous voyons les légendes. Nous voyons comment est-ce que les légendes sont affichées. Ici, nous avons ce bouton. Ici, il y a un seul indicateur de programme qui est ici en bas, BMI. Donc, je reviens sur cette page, je clique sur Child Health, par exemple. Et ici, nous voyons les vaccinations et les indicateurs ici en bas. Il y en a deux. Il y a le total d'OPV et qui sont 268 et le total de PCV qui sont au total de 22. Donc, maintenant, nous allons changer de sujet. Le paramètre Web App Android. On peut télécharger cela sur le lien que nous voyons en bas. Ici, cela vous donne plus de possibilités pour la configuration de votre appareil Android. Donc maintenant, on fait encore une autre démo. Permettez-moi de partir sur mon téléphone. Vous voyez maintenant le serveur DHIS2. Je peux aller dans les paramètres Android. Ici, c'est le menu général, un aperçu général d'abord. Et maintenant, dans les paramètres généraux, voilà ce que nous avons. Ici, vous devez mettre l'URL de votre Matomo. Les utilisateurs d'Android qui utilisent Matomo, vous devez mettre votre URL là-bas. Ici, l'analyse de reporting d'identifiant que vous mettez en bas. Si vous mettez bien l'URL en haut, toutes les actions qui se passent avec l'appareil Android se feront voir. Ici, nous avons cette nouvelle fonctionnalité SMS Gateway qui vous permet de synchroniser les SMS. Et puis, il y a la base de données cryptée. Et voilà le message qui s'affiche que toutes les données seront cryptées quand vous allez vous connecter. Donc, ça vous permet de plus ou moins crypter vos données. Donc, nous allons dans ce segment-là, Global. Dans la synchronisation, nous voyons comment synchroniser.
Et ici, dans le programme, nous voyons le nombre maximum de TEI à synchroniser, le maximum d'événements à télécharger et puis le temps qui est en bas. Donc, ça vous permet de configurer votre application Android. Ici, on part dans. Il y a maintenant la partie Appearance et puis Analytics, donc l'apparence et l'analyse. Avant d'en parler, vous savez, nous avons plusieurs filtres dans l'application Android aussi. Et ici, nous sommes à la page d'accueil. Et nous cliquons sur un programme, par exemple, d'abord les cas de paludisme. Nous voyons encore ici six possibilités. Donc, la communauté nous dit que parfois c'est compliqué pour elle parce que les utilisateurs finaux n'ont pas besoin de tous ces filtres. Mais on entend aussi d'autres personnes dans le programme d'implémentation qui disent qu'ils en ont besoin. Donc, nous réfléchissons à comment avoir une solution à long terme. J'aimerais vous montrer ici, par exemple, il y a dans le programme, disons que je suis intéressé par ces filtres, par exemple, et donc je désactive les filtres qui ne m'intéressent pas. Puis je garde les filtres qui me sont pertinents. Et ici, c'est une page personnelle. Et donc, nous allons sauvegarder ces modifications, par exemple, et voir comment est-ce que ça se présente. Et voyons les filtres. Maintenant, nous partons dans l'analyse. Ce que l'utilisateur final va voir. Ce n'est pas très possible de visualiser ça pour le moment, mais on va cliquer par exemple sur ce programme d'abord, le programme des enfants, Child Program en anglais, et maintenant les étapes du programme, donc Program Stage, Baby Postnatal. Donc ensuite, je vais entrer le tableau d'analyse qui est le WHO Nutrition by José, donc la table. Le programme de nutrition que j'ai plus ou moins suivi. Ensuite, je vais sur les autres options en bas, donc le poids, le rapport poids-âge, et maintenant les autres attributs comme le genre. Ici, on choisit ce qu'on veut mettre. Donc ici, on met par exemple que la personne est de sexe féminin ou la personne est de sexe mâle. Et maintenant, ce que je veux présenter dans mon axe horizontal, je clique, je mets les éléments de données et puis il y a la taille. Maintenant, sur l'axe vertical, il y a aussi les éléments de données, mais ici, c'est le poids. Donc, je vais mettre ces changements et les sauvegarder. Je vais synchroniser mon appareil ici. Donc voilà, je viens de cliquer sur synchronisation. Et cela, c'est pour vous dire que c'est une nouvelle possibilité que nous avons, mais il y a certains aspects qui ne sont pas encore disponibles, mais ce sera disponible dans quelques jours. Donc si vous voulez vous amuser avec, restez en ligne. Et puis vous testez et vous nous dites comment est-ce que ça marche de votre côté. Donc, voilà. Les utilisateurs qui peuvent faire usage de cette application doivent avoir des superviseurs, doivent avoir quelqu'un pour coordonner les activités. Donc, la synchronisation est terminée. Je repars à la page d'accueil. Et voyons comment est-ce que
Ces filtres se comportent, donc nous voyons les filtres désactivés, les filtres activés. Donc je clique encore sur le cas de paludisme et je clique sur les filtres. Et je vois que j'ai un seul filtre. Donc on répond à votre demande qui demande des fois qu'il y ait beaucoup de filtres et d'autres qui disent qu'il n'en faut pas. Donc ici en bas, concernant les paramètres spécifiques, voilà la date d'enrôlement et puis la date d'événement, par exemple, qu'on va activer. On va cliquer sur le chat programme et on va voir les filtres qui sont disponibles. Donc, on a juste les deux événements. Donc, en fait, on est en train de paramétrer chaque aspect et chaque programme que nous avons. Donc, ici, nous avons notre tableau. Quand j'ouvre, par exemple, ici, je clique sur mon tableau d'analyse et voilà, c'est le tableau de nutrition. Je vais essayer de réduire le tableau pour voir toutes les valeurs. Donc, voilà ce que nous avons. Je suis en train de mettre un terme à ma présentation, à mon exposé. Je vais juste, voilà, vous dire que voici les ressources et vous pouvez cliquer là-bas pour voir les mises à jour Android et poser des questions aussi dans la partie communauté de pratique et aussi, le Android SDK auquel on peut avoir accès dans le troisième lien. Donc, les applications Android qui sont compatibles avec DHIS2 et il y aura une autre session plus tard à 15h. Donc, restez en ligne. Merci beaucoup.